Salutations! On se retrouve pour une nouvelle aventure ou alors simplement une découverte si jamais vraiment on n'aime pas le jeu. Immortal of Avon, un jeu qui a le mérite d'exister, un peu comme Forspoken. On va jouer en difficulté Magnus. Ok, on a un double saut déjà. On n'a pas commencé, on a un double saut, ça c'est beau. Une entaille sépare notre monde. Au cœur d'Avum, l'entaille s'élargit de jour en jour et menace d'engloutir les cinq royaumes. Nos classes dirigeantes l'ignorent, poursuivant leur guerre éternelle. Les remarquables Magni, manipulant la magie, mènent leur armée dans un cycle maudit. Si l'espoir existe, il ne viendra pas des Magni. Alors ça a l'air assez serious business. Ah, ça se bat à l'épée. Les seigneurs de Kaltus ont honteusement déposé les armes. Y a pas de sang. Leur magni brûlait vif sous leurs yeux. Privés de magie, les forces armées de Forlam tombèrent face à Sandrak, l'impitoyable tyran de Rachab. Ils firent de lui leur chef, tel qu'il était déjà d'Est. En ouest. Et les plaintes de leurs ancêtres firent jaillir le sang en signe de protestation. Waouh, c'est violent. La voie menant au sable de Rémen était sûre. Les îles célestes fais gaffe. De la guerre éternelle. Je fais gaffe. C'est un théâtre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sang. Comme la dernière fois. Encore plus. C'est alors ben voyons. La taille s'élargit au son de sa voix. S'exclamant, les Magni de leur ordre ne sont plus. Merde! Tu crois que Sandrak parle vraiment comme ça? Je me concentre. Si c'est le cas, ses ennemis doivent mourir dans lui. Je me concentre. Dark, mais. Il a un trou. Soutenez-le! Il a un trou! Réplique. Mais je ne suis pas. Mais je ne suis pas de ceux qui se contentent de s'interroger. Bah, moi, oui! Je m'interroge tous les trois mots! Ils sont occupés. Allez, vas-y! Ouais! Tout le monde se fiche de Rémen! Remonte là! Sandrak est à nos portes! Oh là là! Je l'ai! On y va! Mesdames et messieurs, regagnez vos places, je vous prie! Hé, attends! Luna! Par ici, Jack! Alors, j'aime beaucoup le prénom Luna. Depuis Harry Potter, hein. Ah, ouah, la vue FPS, je m'y attendais pas. J'avoue, je m'attendais à une vue TPS, mais bon, c'est pas grave. Oula. Combien on a ramené ? J'étais là pour t'encourager. Les autres ont sûrement fait mieux. Espérons. Est-ce que Caleb t'a déjà parlé de cette cabriole qu'il veut faire sur le plateau ? Je pense qu'il aime juste dire cabriole. 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 C'est marrant. C'est sournois. Et n'allez pas sur le plateau. C'est rigolo comme petite ville. Désolé, je regarde autour. Personne n'utilise l'ascenseur. On y va. Vas-y, je te suis. Comment on active l'ascenseur ? On est dans l'ascenseur ? Ah, pardon. J'ai pas vraiment écouté. La pièce parlait de quoi ? Alors, je sais pas. Kaltus a capitulé face à Sandrak et l'ensemble de leurs magni ont été brûlés. Vif. C'est pas gentil du tout. Ah bah ça non. Envoie quoi comme message ? Bah, faut cramer sympa, si que c'est le patron. Que Sandrak est le patron ? C'est ça le message. T'avais zappé qu'on l'appelait le tyran de Racharn, hein ? Je croyais que t'avais pas écouté. Je voulais peut-être juste voir ce que t'en avais retenu. Coupons par le marché. Ok. Le jeu a l'air assez beau, en même temps il est sorti en 2023. Le marché
marché a l'air plutôt désert ce soir. Il paraît qu'un tas de vaisseaux arrivent à quai. Certains doivent vouloir se faire de l'argent facile en déchargeant des cargaisons. C'est peut-être ce qu'on aurait dû faire au lieu de voler le type au chapeau. Il en valait pas le coup. En général, un homme avec un chapeau indique une cible parfaitement respectable. On dirait que tu l'as inventé. Bon. Je pense qu'elle l'a inventé. Pas mal la magie, hein. Alors, tu vas leur dire quand ? Est-ce que tu vas leur dire ? Peut-être, j'en sais rien. Ça me semble un peu tard. C'est de ta faute. Parce que je déteste les adieux. Elle a une tête bizarre, non ? Ouais, je comprends. On dirait qu'elle a la moitié du visage endormi. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas pressé de rentrer ? Non. Tu penses à quel point ce tas d'ordures va te manquer, hein ? Arrête, ça te manquerait ? Un peu de respect pour ma maison. Je n'ai pas l'intention de passer ma vie à vivre au-dessus d'un trou sans fond, Jack. Techniquement, on sait pas si l'entaille est vraiment sans fond. Tout porte à croire que si. Ils vont s'en sortir, Luna. Je vais m'occuper d'eux. J'ai une idée. Bah on voit le fond, qu'est-ce que vous racontez ? Tu veux t'entraîner ? Pourquoi pas ? C'est notre devoir, en tant que citoyen de la basse ville de Seren. Ouais, enfin, on fait que nettoyer. On se ferait plus d'argent en dégageant ces tas de manatifs qu'avec notre exploit du théâtre. Ouais. Y a vraiment que le devoir qui compte pour toi en ce moment. Joli. Tu t'en sortiras bien. Et puis, il paraît que les sans-lueurs qui peuvent utiliser la magie comme toi ont de meilleurs uniformes. C'est la guerre, Jack. Je me fiche de l'uniforme. Ou alors, de meilleures bottes. Du fromage. Attends, quoi ? Les soldats mangent du vrai fromage. Les bottes, c'est du bonus. Ouais, mais c'est du fromage français ou américain ? Parce que si c'est pour manger du cheddar, c'est pas la peine. Hein. Une fois caporal, j'achèterai des terres. Une grande ferme, pleine de bottes. Écoute, j'ai beau répéter que je comprends, mais c'est faux. Enfin, pas vraiment. T'es la seule personne que je connaisse qui veut combattre dans cette guerre éternelle. On n'échappe pas au recrutement, Jack. Mais les gens y échappent tout le temps ! Et toi, tu vas même pas essayer ? Et puis je ne me battrai pas pour la guerre éternelle, mais pour Lucium. Parce que tu vois une différence, toi. Tais-toi, Ethyr. Bon. Ah, du coup, on va tenir un autre bras comme ça tout le jeu, quoi. Ouais, c'est vraiment Forspoken, en fait, le jeu. Forspoken, le jeu. Forspoken 2. C'est bon, on y va. Voilà, tu m'as fait peur. Tu penses qu'ils t'enverront ? Là, ici, il fusionnait avec moi. Éternelle. Qui sait, peut-être que j'ai juste assez de magie pour ne pas être vu comme une sans-lueur et que j'aurai mon mot à dire. Les Magni ont leur mot à dire. Enfin, sûrement. Sans te vexer, nous, on est plutôt du genre à faire... Et un Magnus, plutôt... Bah, enfin, tu vois, c'est perdu d'avance. Ouais... Un peu de magie en langage Magnus, c'est un peu comme pas de magie du tout. Pour l'instant, c'est un peu chiant. J'espère que ça va se bouger un peu. Je sens d'ici le ragoût de Fif. Tout le quartier peut le sentir. Tu sais, tout ce qui cuisine a un vague arrière-goût de regret. On y est. Jack ! Wow ! On dit pas bonjour ? Viens là. C'est vrai que tu pars ? T'auras 16 ans demain. Et les soldats elle viendront a 16 ans, te chercher elle. Parce que Jack dit bon alors là, regarde-moi bien.
Ou alors, t'évites le recrutement, comme tout le monde. À quel moment, elle a 16 ans, elle en fait 40. On me dit rien, moi. Ça a donné quoi? On est officiellement les pires voleurs de Seren. Espérons que Caleb soit meilleur. Elle a vraiment 16 ans? J'ai trouvé ça derrière chez Trotter. On peut dire que c'est du gâteau? Oh non, tu vas pas manger ça. Pas touche. T'as sûrement raison. Le ragoût est prêt de toute façon. Tu vas nous chercher des patates, Jack? J'y vais. Patates! Dites-moi quand Caleb sera rentré. Je voudrais vous annoncer quelque chose. Comme le fait que tu vas nous quitter? Tais-toi, toi. Elle a pas 16 ans. In my book, elle a pas 16 ans. Tu fais quoi, sale môme? J'ai piqué des affiches, je les ajoute à mon album, tu veux voir? Vas-y. Pourquoi tu voles des affiches? Ça fait partie de l'histoire, Jack. Rejoignez le combat. Arrête ça. Cette propagande va te pourrir le cerveau. C'est ce qui est arrivé à Luna? Le cerveau pourri? C'est pour ça qu'elle rejoint l'armée des Lumières demain et qu'elle nous quitte? Oui, madame. Luna non, fait monsieur. Son devoir. On n'échappe pas au recrutement, Babs. En plus, Luna croit certainement que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi se battre pour la guerre éternelle serait la chose à faire? Écoute, j'ai jamais dit ça. Et ne dis surtout pas à Luna que je t'en ai parlé. Elle est persuadée que j'ai vendu la mèche. Je sais que tu leur as dit. J'ai rien dit. Bah, quelque chose les préoccupe. Écoute, c'était pas difficile de deviner que tu comptes partir. Tu fais tes bagages, tu coches les jours du calendrier, tu lis de gros bouquins officiels comme celui-là. Tiens, c'est quoi cette fois? Le règlement des officiers de l'armée des Lumières. Tu vois? Tu vas pas me dire le contraire, on est d'accord. À quoi tu penses? Tu préfères affronter un crabe de 30 mètres de haut ou alors 30 crabes d'un mètre de haut? Ça me rappelle le truc arriver. Avec le gâteau et la bite. Tu devrais sérieusement y penser. Un crabe. Genre un crabe Veki ou un vrai crabe? Si c'est important, il fait 30 mètres de haut. Ok, alors celui de 30 mètres de haut. Pourquoi celui-là? Juste pour la gloire. Idiot. Écoute, la gloire du combat. Dit. Ils ont compris par eux-mêmes. Ouais, je sais. Je veux juste pas admettre qu'ils le savent. Pas encore. Je suis sûr que tout le monde jouera le jeu, une fois que tu nous l'auras dit. Je vais le dire. Alors, préviens-moi quand Caleb sera là. Autant ne dire adieu qu'une fois. Babs a l'air triste, Fif a quelque chose en tête, Caleb devrait déjà être venu. Au revoir. Bon, on se voit au dîner. Alors, le lore, j'ai Bien regardé sûr. Le lore, j'ai dit non. Bon, vas-y, on va faire les dialogues, désolé, désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Babs a l'air triste. Tu vas manquer à Babs. Ça lui fera du bien. Elle prendra la relève en moins de deux. Elle agit déjà comme si c'était le cas. C'est inné chez elle. Fif a un regard coupable. Parce que ce gosse dévore tout ce qu'il trouve. Tu vois les pommes que t'as volées hier? Bouffées. Elles étaient censées nous faire la semaine! Elles n'ont tenu qu'une heure. Bah, il va grossir. Hein. Bah non, des pommes, ça va, c'est bon. Bon, on se voit au dîner. Bien sûr. Allez, Jack. Elle va en parler ce soir à tout le monde, alors oublie pas de la soutenir. Oui, oui, on va soutenir ton ami. Joyeux anniversaire, Luna. J'ai fait fort ce soir. Attrape. Ton cadeau. Rien que ça. C'est quoi, ça? C'est le pentarque.
Sans blague, je parle des trucs qui flottent. On dirait de la neige. C'est quoi de la neige? Je sais pas trop, un truc qu'on voit en hiver. Pareil qu'on en voit tout le temps à Kaltus. C'est joli, c'est tout. Oh. Caleb. Ouais, le mec est blessé, quoi. Désolé. Enlève ta main, laisse-moi voir. Ces types ont été chanceux. Je... Ah! Bordel, Jack! C'est pas bon du tout. Est-ce qu'ils t'ont suivi? Tu t'es blessé à cause de ce truc? Doucement, Caleb. T'es vraiment mal en point. Mais pourquoi tu... Je voulais pas gâcher ta petite fête. C'est tout. C'est bête. Jack, viens. On a besoin de Médoc. J'ai une idée. Tu m'expliqueras en chemin. Surveillez-le. Prenez de l'eau et des chiffons. Il ne faut pas qu'il dorme. Vous savez quoi faire. On fera vite. Il commence à s'endormir, une petite claque dans la gueule, quoi. Alors, c'est quoi le plan? Je suis toujours dessus, mais je suis à peu près sûre que c'est par là. T'es encore dessus? Ça prend forme. T'inquiète, Caleb va s'en sortir. Ça brille. Ça brille pas. Je suis un menteur, désolé. Marcher dans le vide. Bah alors. Le noble qui achète toutes les maisons du secteur est à bord sa race. C'est lui notre cible. Vous allez pas c'est me dire qu'elle a 16 ans. C'est le genre d'endroit d'où on revient pas, Luna. Noble égale riche. Riche égale magie. Magie égale... Elle est déjà tatouée, elle a 16 ans. Des cristaux de santé, peut-être. Ou bien des remèdes du plateau. En tout cas... J'ai pas de meilleure idée. Ouais. Non, c'est bien. Il paraît qu'il est vieux. Il aura plein de médicaments. Ça se tente. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. C'est juste que... C'est naturel tout ça pour toi. C'est tellement naturel que tu savais même pas quel serait notre plan quand on est parti. Et maintenant, boum! Voilà comment on va s'en sortir. Tu t'en sortiras très bien sans moi, Jack. J'en suis sûr. Pas très nerveux, hein. Après, ils ont fait une belle ville, hein. Ils se sont donné du mal à faire une petite ville. Bonjour. Les soldats de l'armée des Lumières. Tes nouveaux super potes. Très drôle. On dirait qu'ils sont pressés. Ils font quoi ici, à ton avis? J'en sais rien. C'est bizarre. Là-bas, ce manoir. C'est notre destination. C'est parti. C'est parti, Jack. Ouais. Bon, oh, attends, c'est un coffre, ça? 4 pièces d'or. Bah, ça valait le coup. Bien joué. Ah là, le carré apparaît, bah nickel. J'y connais rien, moi, à tout ça. Belle baraque, hein. C'est quoi la couleur de la magie de vie? La magie de vie? Écoute, je sais pas. Je crois qu'elle est verte. Cherche du vert. Ok, je vais chercher du vert. Regarde ça. Oh, merde. Tu m'as pas dit que c'était un Magnus. Est-ce que tu sais faire marcher un gantelet? Pff, non. On va vite le découvrir en vrai. Oula. C'est ça ta définition de faire gaffe? C'est la discrétion, oups, mec. Et qu'est-ce qu'on en fait, hein? On l'agite devant Caleb? Peut-être. Quoi? Comment ça, peut-être? Oh. Bonjour. La bagarre? Merde. Barrons-nous d'ici. Cours! Viens, par là.
mort. C'est pas fou, hein. C'est l'alarme de la ville. Ah, juste pour nous. Sérène est attaquée. Les combats ont pas l'air foufou, hein. Raid aérien. C'est Racharn. Sandrak attaque la ville. Il faut qu'on aille rejoindre les autres. Viens, il faut qu'on rentre. Bouge, Jack. Brouille-toi. Je cours un peu plus vite qu'elle, quoi. Ah, c'est bon, je vais sauver le monde. Les mecs ont des épées, j'ai un pistolet, ça devrait aller. Ah, les balles dans la tête sont pas passées là. Ah mais c'est un allié, c'est pour ça que les balles passent pas. Ça va, gamin ? Ça va, elle m'attend sagement. Ils ne sont peut-être pas morts. Ils savent quoi faire en cas d'attaque. On les entraîne. Parle pour toi. J'ai pas arrêté de faire des blagues. Plus tard, les remords. Merde ! Est-ce que ça va ? Oui. Ouais. Juste derrière toi. On y est presque. C'est juste là. Je sais pas quoi faire. C'est le choc. Garde tes esprits. Mais comment tu peux garder ton sang-froid ? J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire. Jack ! Luna ! Montez ! Ils vont tirer sur les enfants ? On peut y arriver ! Le drama ? Jack ! Oh, le drama. Non, ils ont tué des enfants. Pas un effort, gros. Il l'a pris dans la tête, hein. C'est pas fini, enfoiré. Bah, t'as touché une fois sur quatre, hein. Reste pas là, Jack. T'inquiète pas. Ah ! Attends ! Je savais que t'allais mourir ! Parce qu'en fait, t'es pas sur la jaquette du jeu ! Adieu ! Le méchant. C'est marrant, on a débloqué les pouvoirs. C'est rigolo parce qu'en fait, eux, c'est des soldats surentraînés. Moi, je suis une petite merde. Et je les ai radis. Le son du jeu est fort, hein.
Alors attendez, on va baisser un peu le son du jeu. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, eux ils sont censés être ultra balèzes, mais en fait c'est des caca humains quoi. Bon, c'est un peu mieux. Je suis fatigué. Genre les mecs, imaginez, ils sont entraînés depuis, depuis 10 ans à l'armée. Moi je débarque, je m'énerve, je les tue tous. Alors que je suis un adolescent, un adolescent. Je sais même pas à quel âge j'ai. Si l'autre a 16 ans, moi j'en ai 14 quoi. Le jeu tue un noir en premier. Honnêtement, c'est raciste. Raciste mono, comme dirait Neymar. Ah non, il y a les enfants qui sont morts en premier, du coup ça va. Il y a des noms ça pour passe. Les gens comme vous. Un instable, une chandelle de Shelled. Toi qui es instable. Un enfant des rivières. Un chanceux. Aujourd'hui, oui. Mais la prochaine fois, ça pourrait vous tuer. Nous chassons les Racharniens de Sérène. Mais vous n'êtes plus en sécurité ici. Ils vous pourchasseront. Vous êtes seul. Jack. Vous êtes seul, Jack. D'accord. Je suis la grande Magnus Kirkan de l'Ordre des Immortels, maréchal de l'Armée des Lumières. Et vous avez oublié le en retard. En retard. Elle y peut rien. Ça va. Je sais qui vous êtes. J'ai vu les affiches. Rejoignez le combat. Et alors, Jack? Vous voulez combattre? Veux-tu la vengeance? Ou le suicide? De toute façon, t'as perdu toute ta famille. Fais un choix. Ce pouvoir qui est en vous, il vous vient des manalignes, comme toute la magie de ce monde. Et ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir s'en servir, peuvent en faire presque tout ce qu'ils veulent. Attendez, une seconde. Ce monde ? Exact. Il y en a un autre sous celui-ci, le royaume éthéré. Là où naît la magie, là d'où surgissent les manalignes. Du Regardez, coup, c'est, Jack. C'est Obi-Wan Kenobi, mais de Voyez ce monde, comme c'est elle ça forme une toile. Je dois fermer les yeux ou un truc du genre? Non. Non, pas du tout. Cette manaligne là-bas, regardez. Essayez de voir au-delà d'elle. Vous savez, quand vous allez vieillir, votre tatouage sur les yeux, là, il va rester, madame. C'est dégueulasse, hein. Waouh, il y en a partout. Ah, je croyais qu'il allait pas parler. Oui. Désolé. Elle forme un filet enveloppant Aveum de magie. C'est pour cela que nous nous battons. Politique, territoire, idéologie. Tout ceci n'est rien comparé au contrôle de la magie. Qui ça, nous? Les ordres Magni. Les armées commandées par les ordres. Maintenant que les autres royaumes sont tombés ou dispersés, seul Lucium peut encore résister aux tyrans de Racharn. Sandrak. De plus en plus, il entraîne nos forces dans l'entaille. À quoi ça sert d'avoir des épées si les mecs font des rayons laser? Au bout d'un moment. Tout ça, sous le regard et le jugement du Pentarque. Qu'il approuve ou non, il n'a jamais pris la peine de nous le dire. Yeah.
Yeah. Ok. Bon, le méchant est fort. Le temps nous est compté, Jack. Attends, j'ai une vision. Sandra nous attaque de toutes parts. Et il n'y a plus d'endroit où fuir. Je sais ce que vous allez dire. Mais je ne suis pas un soldat. Tu vas le devenir, mec. Je vais t'entraîner. C'est ce qu'on verra. Voilà. Tu vas devenir, Luke, et je serai ton Obi-Wan. Ascendant présente. En association avec Electronic Arts. Ça démarre mal, hein. S'associer à Electronic Arts, hein, vraiment. Avec Dave Bogan, Julia, je sais pas qui c'est. Mike Judge, je sais même pas qui c'est non plus. Jacob Palmer, Ryan, c'est censé être des gens connus ça ? Peter Turner, j'en connais aucun. Connais pas. Bah, y a que des no-name dans le jeu. Dan Super, un super nom. Jason Warkin, Sholi, Kevin Boyle, ça me dit quelque chose. Audrey, ok. Bon, il y a du monde. Il y a beaucoup d'acteurs. Est-ce que ça vaut le coup de mettre le générique de fin tout de suite là ? Vous voulez pas le mettre à la fin du jeu ? Le jeu met le générique de fin au bout de 30 minutes de temps de jeu. Qu'ils ont peur que les gens ne restent pas à la fin, quoi. Parce qu'ils disent, bon, on a fini le jeu, on s'arrête, là. Instable. Je suis instable. C'est le jeu qui est instable. Il met le générique de fin au début. On n'a pas encore eu l'écran titre. Du coup, c'est bizarre. Le jeu fait tout à l'envers. Bordel vous de n'avez queue. Jamais vu le pintarque de si près. Je vivais sous un pont géant, vous vous souvenez? Vous vous souvenez, madame? Bah. J'insiste. Bah, vous m'appelez Jack, je peux vous appeler. Comment elle s'appelle? Ce que Rachar n'a fait Kirkan. Chez vous à Seren, ils le font partout. Les forces de Sandrak sont implacables depuis la chute de Kaltus. Ici, ce n'était qu'un sanctuaire pour les réfugiés fuyant les combats. Avant de devenir un autre champ de bataille. C'est un bon endroit pour votre entraînement. Cet endroit est désert. Sandrak a massacré tout le monde ? Vos gantelets aideront à concentrer votre magie. La rendront précise. La stabiliseront. L'empêcheront de vous tuer. Vos gantelets font de vous un guerrier mage de Lucium et de l'armée des Lumières. Un Magnus. Exact. Préparez-vous à combattre, Magnus. À combattre quoi, madame ? Les batailles laissent des souvenirs, Jack. Je vais les réveiller. Ah, je vais me battre contre des souvenirs, là ? Bah, vraiment. Y'a rien qui va. C'est quoi ce truc qui monte, là, sur mon bras, là ? Encore. Hop, je recharge mon mana. Ah, on a essayé le pré-shot, on a échoué. Bien. Tu veux une banane ? Ils étaient pas nerveux hein, dans vos souvenirs les ennemis, hein, madame. Par ici. Non, mais je vous suis. Hein. Vous n'étiez pas dépourvu de magie lors de notre rencontre. Au fond, vous saviez comment vous défendre avec. Oh, tout ce que je savais faire, c'était nettoyer la crasse sous un pont. Il y a un début à tout. Pour l'instant, vous devez apprendre à mieux vous défendre. Il y a un coffre là-bas, attendez. Il
Y'a une map? Oui, y'a une map. Attends, c'est quoi tout ça là? Ouais, y'a des coffres partout, ça va être vite. Vite chiant en vrai. Non, ça va. Allez vers l'hôtel là-bas. Il vous apprendra à invoquer un bouclier. Waouh, waouh. Je me sens invincible. Du calme, soldat. Ce n'est pas encore le cas. Bah en vrai, si les mecs m'attaquent que avec des épées, ça devrait aller. Hein. L1 pour parer. Pourquoi mettre L1 pour parer quand c'est R2 pour attaquer, mettez L2, non? J'imagine que L2 va servir à autre chose. Vas-y, attaque. Oh, ça va, ça tank. C'est pas mal. Vous êtes ce qu'on appelle un triarque, Jack. Le pentarque vous a offert la capacité de manipuler les trois types de magie. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des magnis? Cela a ses avantages. Plus votre arsenal est limité, plus il est facile à maîtriser. Un triarque préférera la polyvalence à la maîtrise. Cet hôtel vous conférera votre premier sort écarlate et un gantelet pour l'exploiter. Ok, je vais avoir trois gantelets du coup, mais j'ai que deux bras. Ça va être compliqué, non, madame? Ok, est-ce que j'enlève l'azur? Quoi? Quoi? Oh, je mets l'écarlate sur mon bras gauche. Ok, j'ai compris. Non, il suffit de tendre le bras vers le gantelet écarlate, Jack. Ouais, ce serait vraiment trop utile d'en mettre un sur chaque bras, quoi. Stylé. Oui. Alors je pourrais faire... Maintenant, prenez le sort. Un sort avec chaque main, quoi. Il est pas commode, hein. Les sorts sont vivants, en quelque sorte. La magie écarlate est particulièrement violente, mais vous pourrez l'utiliser grâce au gantelet. Ne les laissez pas s'approcher de vous. Si c'est le cas, utilisez la magie écarlate pour les repousser. Sachez quelle couleur est la plus appropriée pour chaque situation. Bah, sur les ennemis rouges, c'est la magie rouge. Là, j'ai bien compris la mécanique du jeu, ne vous inquiétez pas, madame. Les racharniens seront toujours plus nombreux que vous. Prenez cette pierre de santé, tout de suite. Ok. Une pierre de santé ou ça? Elle me l'a mis dans ma poche, ok. Journal perdu, un peu de lore. J'ai l'impression que cela fait une éternité depuis que... Voilà. Fin du lore. Fin du lore. Un peu précipité. Certains sorts ne sont pas générés par votre gantelet, mais par un totem. Essayez ça. Waouh! Je le sens... s'enrouler? C'est quoi ça? C'est un lasso. Il permet d'attirer les ennemis vers vous. La plupart des ennemis. Pas les plus larges, j'imagine? Exactement. Ah, je l'ai fait au pif le L2. Trop fort en vrai. Voilà, t'es mort.
Très bien. Allez vers le prochain hôtel. De toutes les couleurs, la magie verte est la plus étrange. Elle représente les esprits, la mort, la vie et la transition. 100% c'est une mitraillette. Hein. Je suppose que ce sort représente la mort. Il y a une guerre à gagner. C'est rigolo, hein. Mais on a un pouvoir fusil à pompe, on a un pouvoir mitraillette et on a un pouvoir de snipe. Voilà. Tu remplaces les pouvoirs par des flingues, bah c'est la même chose. Cet hôtel vous conférera le sort animé. Le sort animé vous permet de manipuler la forme de certains objets. Certains ? Comment je peux savoir lesquels ? Un autre Magnus les a marqués d'un glyphe. Cherchez-le. C'est un peu dommage. Vous savez, les mecs ils sont là, mon rêve c'est de créer un jeu. Ils font un jeu avec de la magie. Premier réflexe c'est de créer un jeu avec un sniper, un fusil à pompe et une mitraillette quoi. Genre vraiment, les mecs ont des rêves, mais en même temps... En même temps, le rêve, il est pas ouf. Pourquoi il y a de la santé tous les 10 cm en fait ? Préparez-vous. Kirasha ! Pourquoi vous parlez pas français, madame ? Attention aux archers. Bien. Bien. Tout ça pour que j'intègre l'armée des Lumières. Vous l'avez déjà fait en acceptant un gantelet de leur maréchal. C'est un entraînement. Vous parlez de vous ? Vous m'en donnez un et... boum ! Boum, madame. Et oui. Parlez-moi un peu de l'Ordre des Immortels, madame. À Seren, vous disiez être leur leader aussi. Ce sont... deux choses différentes ? Les Immortels sont plus que des soldats. Nous sommes les grands protecteurs de Lucien. Ces maîtres de la magie. L'élite de l'ordre. Le fer de lance. Combien y a-t-il d'immortels, madame ? Trop peu. N'oubliez pas d'utiliser vos autres sorts. Oui, oui, oui. Ah, je pensais le mettre dans le vide, mais non. Avancez, mais... Uchi-tekken!
pas mal. Pour l'instant, c'est ce tutoriel est un peu long, quoi. Ce serait bien de l'arrêter dans pas longtemps et de commencer à raconter une histoire, quoi. Les fureurs sont des sorts puissants qui nécessitent beaucoup d'énergie. Celui-ci vous permettra de briser les boucliers. Ça a l'air utile. Un peu broken ça. Bien que vous puisiez en permanence la magie à sa source, elle peut s'épuiser rapidement lors des combats. Ces cristaux là-bas, utilisez-les pour régénérer votre magie et rester dans le combat. Ok, on parle pas de ça. Ah d'accord, on parlait de ça. Par ici. Un seul Magnus de l'armée des Lumières, avec le bon entraînement, aurait pu repousser l'effort de Sandrakis et sauver la vie de ceux qui l'ont fait. Et donc ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? On ne peut pas être partout. C'est comme pour Sirène, alors. Gardez cette colère pour votre défi final. Attends. Ouais, je suis vraiment le bras en avant comme ça toute ma vie, quoi. Genre le mec il court avec le bras en avant, quoi. C'est un peu chiant. Encore. Préparez-vous, Magnus. Bah, le mec il tape au corps à corps, ça devrait aller, hein. Si vous tombez, vous mourrez. Tiens, c'est rigolo que vous parliez de ça, madame. Que j'ai pris un peu le défi de haut et du résultat, je suis tombé. Ah, bien joué. Je me suis dit pourquoi esquiver, quoi. Ok, il y a de l'équipement. Très impressionnant. Les sicaires de Calphtus sont bien plus coriaces. Merci, madame. C'est du bon travail, Jack. Montez me rejoindre. C'était seulement des spectres, madame. Quand est-ce que je pourrais vraiment combattre ? Plus tard. Il y a plus à apprendre que la sorcellerie. Comme quoi ? Pour vous, le sang-froid. Pourquoi cette tête, soldat ? Vous avez bien travaillé. C'est que... Enfin, je... Constipation. Écoutez, madame, j'ai pas envie de ça. N'être qu'un petit soldat. Ne vous méprenez pas. Je vais me battre. C'est ce que j'ai promis à une amie. Et à ma famille. Vraiment. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, c'est devenir un immortel. Je veux faire cette guerre à vos côtés. Faire partie de l'élite. Ce n'est pas si simple. Sauf votre respect, madame. Votre mensonge, c'est seulement... Comment dire ? Je vous crois pas. Ok, vous m'entraînez, personnellement,
Toute l'armée de Lucium est sous vos ordres, et vous vous dites quoi ? Oh, tiens, et si j'amenais quelques spectres pour ce gamin que je connais même pas, histoire de passer le temps ? Évidemment que c'est simple. Parce que ça vous rend spécial. Vous voulez vraiment savoir ? Dites-moi, combien de soldats pensez-vous que Lucium a en réserve ? Ceux qui peuvent se battre le font déjà, et ça ne change rien. Sandrak nous a poussés dans nos retranchements. Oh, je... bon... Oui, j'aime votre esprit, Jack, je vous apprécie. J'ai trouvé un enfant perdu et en colère, dont les nouveaux pouvoirs auraient pu être une menace pour le royaume que je protège. Les deux options étaient soit de vous tuer, soit de faire de vous une arme contre Rasharn. Parce qu'on a besoin de toute l'aide possible. Attendez, votre première option, c'était de me tuer ? Ne prenez pas ces paroles pour une invitation à rejoindre l'Ordre, Jack. Vous passerez du temps en première ligne, comme n'importe qui d'autre. On parle de combien de temps ? 5 ans plus tard. Seulement 20 heures sur 24. Tu auras le droit à 2 heures de repos, 1 heure pour dormir et 1 heure pour te masturber. Parce que oui, on n'oublie pas les petits plaisirs de la vie. Ah bah nickel, on fume. Ce personnage n'a que des défauts. Et rase-moi ce duvet dégueulasse. Prends le Magnus sur le pont ! La cigarette, c'est pas stylé, hein, les gars. Arrêtez de fumer, c'est dégueulasse. Hein. Garde à vous ! Merci, maréchal. Quiconque s'est levé devra rester debout. Leur prochaine vague est en approche, et nous manquons cruellement de soldats. Si les Racharniens capturent cette manaligne, autant nous coucher immédiatement, pour toujours. Vous êtes avec Barker, c'est bien ça ? J'ai besoin qu'il aligne ses soldats le long du mur Est. La division écarlate approche. Oui, madame. On y retourne. Les Racharniens n'en ont pas eu assez ? Ils sont loin d'en avoir eu assez. Toujours d'aplomb ? Ouais, tout va bien. Bien. Vous êtes le fils d'Alon Mead, n'est-ce pas ? Oui, madame. Cette peur dans vos yeux ne vous sera pas d'une grande aide. Désolé, madame. Ce jour marque leur défaite. Ou la nôtre. J'en sais quelque chose. C'est ce que j'ai dit à votre père à Sundanten quand il avait votre âge. Et ce sera pareil pour vous. C'est plus facile à accepter quand on est immortel, madame. C'est juste un mot stupide pour faire pleurer nos ennemis la nuit. Mais ça, c'est réel. Aucun sort racharnien ne passera au travers aujourd'hui. Merci, général. Je suis surpris de vous voir encore là, madame. C'est pas la sélection aujourd'hui ? Vous le savez, Jack. Et vous savez autant que moi que je suis prêt. Alors, dommage que vous soyez ici. C'est tellement cliché. Pourquoi voulez-vous tant devenir un immortel ? Pour servir Lucium ? Stop. Ça ne va pas me plaire. Je vous ai laissé 5 ans pour trouver la réponse à cette question. Je ne veux plus entendre ce que votre amie Luna souhaitait. Vous devez penser à ce que vous, vous voulez. Je... Notre seul objectif est de garder cette tour de manalignement. Il se passe quoi si Sandrak s'en empare ? Il dirige les manalignes vers nos rivières. Et nos rivières décident qu'elles n'existent plus. J'ai appris lors d'un briefing que Sandrak avait la possibilité de connecter les autres tours capturées à celle-ci. Comme un réseau. Il n'a jamais été aussi proche, hein ? Non. Et si on ne l'arrête pas, il renforcera ses capacités magiques de manière stupéfiante. À quel point ? Du genre à déclencher la fin du monde. Je veux pas ranger ton bras. Pas de poisson. Par hasard. Pas besoin de se battre si nous mourons de faim avant. Et vous n'avez pas idée comme les Lucéens aiment le poisson, Jack. Vous aimez tellement ça que le manque d'eau potable ne vous préoccupe pas tant que ça, apparemment. Attention. Oui, madame.
la guerre. Il m'a poussé. Ça, c'est une sacrée vague. Sandrak prend d'énormes risques. Vous avez entendu ça au briefing ou on espère juste que ce soit le cas? C'est mon espoir. Ce jour marque leur défaite. Allez-y, et foncez jusqu'au bastion. Oui, madame. Jack, aidez-nous à gagner, et je saurai que vous êtes prêt. Gagnez-moi cette guerre. D'accord, madame. Je gagne la guerre tout seul et après je serai nommé immortel comme vous, quoi. Incroyable. J'aille au bastion avant. Jauge de mana pleine. C'est des amis, on va se calmer. Wow, j'ai pris des dégâts. Ah, vraiment les jeux où il faut suivre des petits points, quoi. On fait que se plaindre, je suis navré. Ça va, collègue, tu veux pas m'aider? Au lieu de me regarder là? Genre, il y a des mecs derrière lui et lui il est là en mode moi, il est beau le gamin. Quel duvet fabuleux. Fils de Zebek. J'ai déjà oublié les touches, quoi. Visé. Ascension 1, ok, on peut level up dans le jeu. Dépenser les points de talent. Oui. Ah, arrête. Laisse-moi faire ce que je veux, le jeu. Mais comment je fais pour aller dans le rouge? Mais j'arrive pas à aller dans le rouge. Attends. Ah ok, comme ça. Réduit le temps de recharge de tous les gantelets. Augmente les dégâts de frappe écarlate. Hop, on va mettre ça. J'arrive pas à avancer. Nickel, le dragon nous a foncé dessus. Ah, attendez, lâchez-moi. Oh merde! Non mais sérieux, on vole. Tire lui dessus.
Ah là, s'il te laisse partir, bon. La chute va être dure, hein. Petit cercle magique. Ah, la le cercle magique qui absorbe le coup, c'est beau. Super. Où est-ce que je suis? Dans la pampa. Jack, au rapport. Ça va. Je l'ai énervé et du coup, elle m'a lâché. Je crois qu'elle se dirige vers vous. Alors faites de même. Maintenant. Les Racharniens sont à deux doigts de franchir le rempart Est. D'accord, madame. Laissez-moi juste reprendre mes esprits. Vous voulez passer la sélection? Alors il faut les trouver, et vite. Patrouille? Qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, un coffre. $2000. Bah on avance. Ça a l'air de bien se passer. Des grenadiers. On avance. Le mec, il a dit bullshit. On a eu chaud, hein. T'es censé loucher. Elle s'est chiée sur les cuisses, la dame. C'est marrant parce qu'en fait, on voit pas la tête des méchants pour l'instant. Du coup, les méchants n'ont pas de... Les méchants ne sont pas humains. Du coup, quelque part, on tue pas des êtres humains. Depuis tout à l'heure, on est quelqu'un de gentil, quoi. Un hôtel de sort. Je crois pas avoir de sort pour ça. Une amélioration du fusil à pépon. Onde chaotique. Alors on peut bouger les statues. Ok, faut voir le truc vert du coup. Pas d'ici. On peut bouger les statues à condition que la statue soit d'accord.
fait chier. Madame, un vaisseau racharnien portant les couleurs de l'Ordre des Masques vient de survoler ma position. Je vais le suivre. Négatif. Nous avons besoin de vous ici. Nous savons déjà qu'il va dans la même direction. Il ne se dirige pas vers le front, madame. Il semble attiré par une sorte de temple, juste ici. Un Magnus de l'Ordre, c'est trop pour vous, Jack. Ça reste à voir. Madame, c'est la main. Vous êtes sûr? Oh que oui. Parfaitement sûr. Là, c'est vraiment important, madame. Affirmatif. Partez simplement en reconnaissance. N'engagez pas le combat. Trouvez ce que la main recherche. Très bien. Kirkan? La bagarre. Tout ce que j'ai retenu, c'est engager le combat. C'est parti pour un peu d'action. Oui, je sais, j'ai pas tellement écouté. Bah, la preuve, regardez. Partez en reconnaissance, n'engagez pas le combat. Hop, on engage le combat. Bah, à chaque fois, je fais bas pour me heal alors que c'est pas bas pour le heal. Ils sont passés par ce trou. Alors attends, comment je récupère du soin là? Ce serait bien d'en récupérer un peu. Ok, on a eu un cristal de santé. Essence d'azuré. On n'aura pas de soins pour l'instant. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que le moment fut agréable au moins pour vous. Et en vrai, ça, j'aime bien le jeu. Juste... En fait, c'est pas que j'aime bien le jeu, c'est que le jeu est moyen. Mais moi, ça me dérange pas de jouer de temps en temps à des jeux nuls. C'est plus ça, en vrai. C'est que j'ai l'habitude de jouer à des jeux moyens. En fait, je préfère jouer à ce jeu... que jouer à Senua Sacrifice, parce que c'est quand même sacrément de la merde. Encore une petite balle dans Senua Sacrifice. Les gens qui aiment ce jeu sont hautains et désagréables. J'en ai eu la preuve il y a peu de temps, hein, parce que les gens qui le défendent à chaque fois ils m'insultent. Du coup bon, à bientôt pour la suite de notre aventure, hein, bien sûr, sur Immortal of Avum. Désolé, j'ai eu un trou. Au revoir.